Si c'était un test, d'après toi, qu'est-ce que ça testait exactement? Si on sait remplir un seau? Il fallait bien connaître l'histoire de Saint-Dismas. Gavry et tout son équipage connaissaient sur le bout des doigts. Pas si compliqué que ça comme test. Mais c'est peut-être pas le seul. Oh, fais gaffe où tu mets les pieds. Non, regarde-moi. Ok, je crois qu'on va être obligé de monter sur ce pont cassé. C'était ça. Cherchons un moyen de monter. Viens ici. Je vais t'aider à monter. J'arrive. Ok, j'ai quelque chose pour toi là-haut. Tiens, tu peux te servir de ça pour atteindre les prises dans le mur. Bien vu. Là-haut, Nathan! Suis-moi! C'est sûr qu'il nous facilite pas vraiment les choses. J'imagine que c'était plus facile quand tout. Les ponts et les chemins étaient en bon état. Je crois qu'on est en retard de quelques centaines d'années. Voyons un peu ce qu'il y a là-dedans. C'est pas de plafond ici. Fais gaffe à ta... Aïe! Je vais faire gaffe à ma... Ah! Attends, mais la ferme! Je vois de la lumière par là. Ah, les catacombes. Ça paraît logique. On est sous une cathédrale. Rien à signaler du côté des dortoirs. À part quelques épitaphes vraiment bien tournées, rien. Vous avez creusé près de la salle capitulaire? Oui, madame. On a aussi tout retourné côté nord-ouest. Et vous avez commencé dans le secteur sud? Non, pas encore. Il va nous falloir une journée pour y apporter la grue. Nadine? Alors faites-le. En attendant, commencez quand même à creuser. J'envoie une équipe sur place, immédiatement. Très bien. Raif, quelque chose ressort des manuscrits? On peut parler en privé? Tenez-moi au courant. Bien, madame. Vous savez quoi? Ils ont trouvé une dépendance juste sous la cathédrale. Oui, je sais. Vous l'avez vu? Non. Pourquoi? Parce qu'après le passage de vos hommes, il y avait vraiment plus grand-chose à en tirer. Ils ont peut-être eu la main un peu lourde sur la dynamite. On aurait dit un troupeau d'éléphants dans un magasin de porcelaine. Mais ils ont été plus efficaces en deux jours que nous, en plusieurs mois. Plus efficaces. Je ne peux rien faire avec des gravats. Ok. Ok. Merci.
Je leur dirai de vous consulter avant de prendre les mesures qui s'imposent. Dites-leur plutôt d'attendre que j'ai fini d'examiner les ruines avant de faire quoi que ce soit d'autre. Non, pas question qu'on se contente d'attendre les bras croisés. Avec tout le respect que je vous dois, je pense avoir plus d'expérience que vous dans ce domaine. On a essayé votre méthode. C'est faux. Vous faites tout ce que vous pouvez pour faire disparaître cet endroit. Non ! Moi, je voulais voler cette croix bien avant qu'elle n'atterrisse dans cette vente aux enchères. Celle où vous m'avez empêché de venir avec mes hommes pour parer à toute éventualité. C'était le moyen le moins risqué de récupérer cette croix. Mais au lieu de suivre mon instinct, je vous ai écouté. Maintenant, on a des adversaires. Mais je pensais pas qu'ils se pointeraient là. Au contraire, vous vouliez qu'ils viennent. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça, au juste ? Parce que vous pensez avoir besoin de lui. Et c'est peut-être le cas. Quoi qu'il en soit, je vais pas rester à attendre plus longtemps. Si le trésor est là, il faut qu'on le trouve. Et s'il est pas là, il serait temps de passer à autre chose. Hé. Hey. Ça n'a rien de personnel. Évidemment. Je vous fais signe si on découvre quoi que ce soit. Faut qu'on trouve le trésor avant qu'il le fasse partir en fumée. Ou qu'il se mette à copuler. Attends. Tu crois qu'elle avait raison ? Sur quoi ? Sur le fait que Rafe voulait que tu viennes. Du moment qu'il ne nous devance pas, je m'en tape. Aucune importance. De quelle dépendance est-ce que tu crois qu'ils étaient en train de parler ? Ça doit être l'une des chambres latérales, parce que là, il n'y a que nous. C'est un peu trop haut pour sauter, à moins qu'on ait un trampoline. Je l'ai laissé dans mon jardin. Oh zut. Mais attends, t'as un trampoline, toi ? J'aimerais bien. Attends. Tiens, tiens, tiens. Voilà, j'envoie la caisse. Merci bien, mon.
rapproche de plus en plus de la cathédrale. De ce qu'il en reste. Bah, ça me semblait être une bonne idée sur le moment, mais... Je reviens tout de suite. Ok. Bah. Je dois dire que je m'attendais pas à quelque chose d'aussi sophistiqué. Je suis d'accord. Ça a dû prendre des années à construire. Le pont est HS. Faut trouver un autre moyen de traverser. Tente le coup. Heureusement, t'es pas plus lourd que la pièce. Ok. Je suis passé. On pourrait accrocher nos cordes là-dessus. Ça pourrait marcher. Un pont, pourquoi faire? Bon bah, moi, les ponts, en soi, ça me dérange pas. On peut pas passer par là. Mais alors comment on traverse?
Par ici. Regarde ça. Si cet endroit n'était pas en train de s'écrouler de partout, on serait sûrement encore pris au piège. Nathan, regarde bien. Putain de merde. Ça devait être un autre test, mais... tout s'est écroulé dans l'océan. Bon, et bah le nouveau test... de savoir comment on va faire pour passer de l'autre côté. C'est quoi ça? En forme de bascule qui a l'air bien costaud. Ça devrait le faire. Tentons le coup. Bon, quand faut y aller. Faut y aller. Tout le travail qui a été effectué pour fabriquer ces pièces. Laisse-moi deux secondes. J'ai trouvé quelque chose pour faire contrepoids sur la bascule. Voilà. Merci. Encore un test de réussite.